Let's go! Let's go! Wow. Elle sort de là, là. Yes. Wow. Bonjour à tous et bienvenue dans le deuxième épisode de la Dolce Vita. Aujourd'hui, on était sur le chemin pour aller dans le sud de l'Italie et on est passé par une petite ville qui nous inspirait un peu. On a vu qu'il y avait des petits spots. Du coup, on a décidé de s'arrêter pour voir si on peut y filmer quelques trucs. Ça peut booster un peu la créativité. Oui. J'ai pas le même level que Florian. Il me faut une petite prep avant. Là, on vient d'arriver au premier spot qu'on vient de trouver. Et il y a que quelques murs. Mais du coup, ça va booster un peu notre créativité. Allez, Flo. Oh oui! Challenge un peu en mode grimpe, puis après on pourra peut-être faire retour. Oh oui! Ah, c'est galère ces petits challenges là, mais en vrai ça fait progresser, c'est sur des petits trucs comme ça qu'on progresse. Y a pas besoin de faire des gros bangers. Des petits trucs techniques comme ça, en vrai c'est cool. Ta nouvelle barbe. Attends. Ouais, c'est pas mal en vrai. C'est pour le style italien. C'est terrible. Arrête, non, c'est lui qui me l'a fait. Moi j'ai dit tu fais un truc propre et les ouaves là ils ont fait ça. Mais apparemment c'est italien. On lui a dit ça pour que ça passe mieux, mais c'est pas du tout italien. Oui, 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 yes. J'ai mis les mains, ouais. Mais je m'en bats les couilles. C'est la Dolce Vita. Dolce Vita, petit scoop d'œuvre. Il y a le soleil. C'est sympa. Allez. Oh putain, t'étais bien. Ah dommage. Oh t'étais bien. Ça va le faire. Ah ça va le faire. C'est stylé hein. Oh oui. Yes. Oh. Yes. On a bien bougé au premier spot et là on se dirige vers un château qu'on a vu sur la route et on va voir s'il n'y a pas des petits spots aux alentours. C'est incroyable, en plus il y a le soleil là. C'est la meilleure première journée. Ça va. On a des bracelets. Ils nous offrent des bracelets. Ouais. On m'a donné un petit bracelet là. Il est stylé, je suis fier. Check. Merci ça mon pote. Ça fait plaisir. Ah, il devait pas aider quelque chose, c'est bon. Tu peux demander. J'ai trouvé un espèce de petit suicide wall run. Genre je pars d'ici et là il y a une espèce de grande porte. Juste le haut de la porte il est incliné. Il y a un espèce de petit grillage qui peut glisser. Du coup je vais essayer de faire quelques preps pour voir si ça tient. Mais j'ai bien envie de le faire. Yeah. Oh yes.
Trop bien. On arrive juste dans un fort et il y a l'air d'avoir plein de spots de parcours. Du coup, on va se balader histoire de trouver des petits trucs à faire. En vrai, il y a des petits sauts à faire, c'est sympa. Le saut il est passé crème en vrai, ça fait plaisir. Je crois qu'il y a Flo qui a repéré une petite descente. Yes. J'adore ce genre de line, il est trop chaud, quoi. Ouais. On peut monter encore. Voilà. Ah putain, il est horrible. Ah. J'ai l'impression de faire un roof gap alors que c'est rien. Allez, ah, ah putain. Ah, sort de là. 3, 2, 1. Allez. Ok, c'est bon. Il est sorti de là. Il est sorti, mais waouh, il était présent là. C'est comme si il y avait quelqu'un qui me gênait là. Sort de là. Sort de là. Yes. Okay. C'est bon, le challenge est validé. Là, il y a Louis qui va faire un chat presse, mais il est énorme. Moi, je le fais en presse, là. Lui, il fait pareil, même hauteur, en chat presse. Ce mec, il est trop chaud. Louis Ménard, chapitre 40 000 chat presse. Vas-y, ça part. Ça va le faire. C'est chaud, mais ça va le faire. En fait, c'est la fin de journée, là. Tu commences à être complètement mort. On est tous un peu morts, en fait. Il n'y a plus trop d'énergie, donc il faut aller chercher les dernières ressources pour tout donner sur le chat presque. On va voir. Vas-y, le prochain, normalement, c'est bon. Mec, c'est immense, hein. Tu te rends pas compte, mais là, c'est grand. Il a dit qu'il était fatigué, bah putain. Ça donne quoi quand il est pas fatigué, mais... Le mur, comme il est penché, j'ai l'impression que ça m'envoie sur le texte, c'est trop bizarre comme sensation. Allez, chef. Non, mais là, j'ai cru que t'avais coupé les genoux. Yes. Oh la facilité, saligone. C'est tout chaud, voilà, voilà, c'est fait. Hein. Non, mais. En vrai, je suis trop content. C'est bon. Mais de toute façon, je suis mort, donc j'ai pas en demander plus. Petit retour presse à la Florian Fradin. C'est lui, il m'a chauffé pour faire ça. Oh, le bat. C'est bon, pas dans le mouillé. T'es chaud. Encore. Putain. Oh non. Oh, il s'est pris trop le mur, c'est incroyable. Allez. La forteresse, qu'est-ce qu'il y a, la forteresse? Bah, la forteresse, elle est vieille, hein. Je sais pas la date de quand, mais les murs, ils sont pas énormes, les gars. Faut changer ça. Allez. Et voilà. Avec les holos, je vais sticker comme un dieu. Vas-y, chef. Ouah, mais t'as collé, mec. Oh là là. Oh là. Il est... Ouais, j'adore quand il first try ce mec, c'est incroyable. Allez, Mehdi. Allez. Ah, fumier de qualité. Ah, le bâtard. Bam. Si je le monte en l'air, en vrai. Mais oui. Speaking English. Yes. If I go for first... I go. I follow you in 3 seconds. Ah, in 2 skip, 2 skip. After me. Yes, 3 seconds. Ouais, je l'en. 3, 2, 1, go! Allez! Yo! Ouais.
Yo. Sick bro. Yes. Putain. Même les mecs loupés, ils sont plus chauds. Allez. Comment, comment. Moi frère, allez. Là, si j'y vais pas, je suis juste au contact. Allez. Allez, vas-y. Deux. Oh, je passe tout. Wheezy Gang. Yeah. Grandi raga. Perfect, thank you. Ciao ragazzi, è stato bello, eh. Grandissimi. Dernier effort de la journée. On est monté sur une sorte de petit ascenseur là où on peut voir le sunset. Et puis ça part en petit plan drone pour le sunset. Non, pas mine, mais je veux dire, ça doit pas être. On va s'embrasser. Let's go. C'est une fin de journée. Oh putain, non, je peux pas faire ça avec ça. On est avec Enzo Frederick Connection, c'est le créateur du Gainer Tour. Ça fait plaisir. Cette année, on va essayer de le faire. On va essayer d'être présent. Et là, il nous a amené un petit spot. Il y a une grosse cascade. Enfin, il y a un 14 mètres, un 17 mètres. Ça va être bien plaisir, sauf que l'eau est glacée. Donc là, on va mettre les combis, puis on va voir comment ça va se passer. Mais il va falloir se motiver. Bon, là, on va voir le premier saut. C'est celui de 10 mètres, je crois. Bah, ce qui est cool, c'est qu'on voit bien l'eau quand même. On voit pas trop le fond. Du coup, on est sûr de quand il faut qu'on fasse la recette. En fait, le spot, il est incroyable. Et l'eau, elle est ultra claire. Et plus l'eau, elle est claire, plus l'eau, elle est froide. L'eau, elle est vraiment gelée. Genre avec les gars, hier, on allait voir le spot. Moi, j'ai mis ma main dedans, perso, ça m'a glacé le sang. En fait, les spots naturels comme ça, c'est vraiment incroyable. En fait, genre, il y a personne. C'est juste avec la nature et tu kiffes en fait, c'est tellement stylé. Et il y a le soleil avec nous là, hein. Putain, c'est du pur bonheur. Ah, ça va être fou, j'espère qu'on va se régaler. En plus, on a regardé, le soleil il part dans une heure, du coup il va falloir se chauffer rapidement. Bon là, on arrive à la deuxième partie du spot. Il y a une autre cascade un peu plus grande. Je crois qu'il y a un saut de 14 mètres et le plus gros de 17. Comme les sauts ils sont assez rapprochés, on va essayer de faire un plan drone FPV. Où Vlad il va essayer de passer un peu entre les sauts. Et il y a même un petit rope swing, du coup je pense que chacun va essayer de faire un saut et on va essayer de filmer ça au FPV. C'est super stylé, mais moi j'ai pas encore goûté l'eau, mais il paraît qu'elle est super calme. Wow. Il y a une ligne de pêche, je vais essayer de l'enlever. Wow, ça saisit les gars. J'espère que vous êtes confortablement installés parce que je passe un très mauvais moment là. T'as dit quoi Enzo? Ça part ou quoi? Ça va partir hein. Alors elle est bonne là ou pas? Mais qu'elle est tellement froide. Il a des petites chaussures spéciales. Et ouais, ça c'est pour le cliff, c'est incroyable. Regarde, on a quoi nous? On a des vieilles Kalenji. La semaine elle fait trop peur. On est quand même en février. Et ça caille de ouf. Il fait vraiment très beau parce qu'on est dans le sud. Mais franchement la température extérieure là, je crois qu'il y a des, je sais pas, 10 degrés. Et l'eau elle doit être à 4 degrés, un truc comme ça. Ça va saisir. Qu'on a les combis hein. Au début ça te saisit de ouf et tu fais quelques bras, tu sors de l'eau, tu cailles un peu et après tu te réchauffes. Mais on n'aura pas beaucoup de sauts hein. Franchement ça va aller attaquer le 17 très très rapidement. Oh, je vous le dis direct. Il y a un petit rope swing et il y a des mecs qui ont installé un guidon de BMX et du coup ça fait une accroche trop stylée hein. Oh, let's go.
Enzo il nous a dit qu'il y avait une espèce de grotte dans cette falaise derrière moi où on pouvait sauter genre d'un trou. On va essayer de voir si c'est possible. What? Attends, mais c'est incroyable. Ouah. Ouais, c'est ouf. Ouais, bon, ça va. Go. Go. Allez. J'y vais. Ouais, ça va. 3, allez, mec. 2, 1, go. 3, 2, 1, let's go. Oh, il est trop chaud. C'est tellement stylé en vrai, c'est incroyable. Yeah. Ah c'est des malades, ils ont sauté d'un trou là. C'est tellement fou comme lieu. C'est sketchy hein. Bon là pour accéder aux 17 mètres. C'est vraiment sketchy, genre on passe par des endroits, on est obligé de faire de la grimpe carrément. Bon, il y a l'air d'avoir du fond, mais Mathieu va quand même faire une coulée pour vérifier. Parce que là, c'est quand même 17 mètres et je pense que je vais aller bien profond dans l'eau. Bon, bah, c'est bon, il a fait la coulée et en vrai, il y a du fond. Bon, mais là, ça va clairement partir en plan drone. On a juste à attendre les instructions de Vlad et ça part. Bah, moi, je suis prêt. Hein. Faut juste que je fasse gaffe aux branches parce que je les vois pas trop. Bon les gars, c'est la fin de la session, elle était vraiment très 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 froide, mais bon, c'était quand même un plaisir de cliffer en février, surtout avec Enzo de French Cliff, ça fait vraiment plaisir de cliffer avec des gars bien déter comme ça. Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas, on a sorti une nouvelle collecte de pulls, donc il y a deux coloris, en vert et en crème, et c'est une édition limitée, du coup ça va pas rester longtemps sur le shop. Si vous voulez commander ça, ça se passe en description de cette vidéo là. On se dit à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao !